Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà Fifi qui va me faire tomber la caméra. Non, oui, non, elle vient dire bonjour. Bonjour Fifi. Alors je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un DIY. Que j'avais acheté à Action il y a déjà un petit moment. Oui, vas-y. Oh là 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 là. Ça y est, elle commence à montrer ses fesses à la caméra. Coco, si tu passes par là, tu vas t'en rappeler. Hein, tu m'avais dit c'est quand je le fais. Vous voyez, c'est celui-là. Et je l'avais pas encore fait. Voilà. Et ben là, ça y est, je me décide enfin. Et je sais qu'ils en ont ressorti. Voilà, ils en ont refait. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est des chats. Et puis, il y a d'autres choses. Quand je suis allée, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je vis en ce moment. J'ai vu qu'ils en refaisaient. Voilà, mais celui-là, il date d'un petit moment, plus de 6 mois. Oh oui, largement, largement plus de 6 mois. Je sais plus. Si Coco passe par ici, elle me le dira peut-être. Depuis quand c'est sorti ça. Donc voilà, je vais essayer de le faire. Bon, essayer. Je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté pour le faire. Mais bon, c'est vrai que chaque fois j'achète les DIY, enfin j'ai quelques DIY d'Action et je les fais jamais. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que je suis trop occupée par d'autres choses. Par contre, Fifi m'occupe beaucoup là. Et donc voilà, bon là j'ai décidé de le faire. Enfin, donc, je vais d'abord le déballer. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et je vous dis, en ce moment, il y en a, mais je ne sais plus exactement les modèles. Je crois que ce modèle-là, ils l'ont ressorti. Alors, d'abord, il y a voilà, une plaque de stickers, comme ça, pour décorer. Voilà. Ensuite, vous avez les planches, donc avec toutes les découpes. Donc c'est tout découpé, hein. Vous n'avez plus qu'à assembler. Il n'y a même pas un ciseau, j'avais préparé mes ciseaux, mon scalpel, mais au cas où, mais il n'y a pas besoin. Donc tout est numéroté, voyez, tout est numéroté, donc il n'y a pas à se tromper. Voilà, normalement il n'y a pas à se tromper. Voilà. Ça, c'est la plaque de fond. Hein. Voilà. Et ça, c'est les petites décos aussi. Voilà. Donc, il faut juste de la colle. Donc, ça, la colle, je l'ai prise. Donc, j'ai pris celle-là. Bon, j'espère que ça ira. Sinon, j'en prendrai une autre. Il y a également un carré avec des petits carrés mousse 3D en autocollant. Donc voilà, alors par contre ils sont numérotés, mais bon, ils n'ont pas dit où les choses allaient. Donc moi je vais me repérer avec le dessin, hein, c'est ce qu'il y a le mieux à faire je pense. Donc la première plaque, donc on va l'enlever, voilà, hop, voilà, c'est déjà fait. Oh, pardon. C'est moi qui fais bouger la caméra là, oui. Je ne vais pas disputer Fifi. Donc, je vais d'abord découper, enfin découper, retirer tout ce qui est à mettre. Bon, c'est vraiment des trucs faciles. Hein. C'est une récréation là. Dire pourquoi je vous montre ça.
Je ne sais pas, j'ai envie de vous faire une vidéo aujourd'hui et puis j'avais pas la tête à faire un tuto. Parce que là, je n'ai pas dormi de la nuit. Du tout. Alors, je vais enlever les encoches. Ils ont bien. Voilà. Hop, allez, petite encoche, on les enlève. Là aussi à la tête, il y a les petites encoches. Ça s'en va tout seul. Donc ça fait une petite déco hein, pour la chambre, pour votre atelier, pour ce que vous voulez. Oui, donc je vous disais, j'ai pas dormi de la nuit. Mais alors, ce qui s'appelle pas dormir, même pas 10 secondes. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu la tête en vrac. Voilà. Voilà. Ça, les petits bouts, je vais les garder. Je ne sais pas si on a besoin. Alors, j'ai toujours pas trouvé mes papiers pour l'album de mariage. Enfin, j'ai pas très tellement cherché parce que là, bon, pour l'instant, j'ai pas les finances pour. Les finances pour l'instant vont pour le mariage hein, en lui-même. Et je pense que bon, je vais peut-être prendre chez FDECO, qui a des super papiers, hein, vous avez déjà vu, hein, elle a déjà été partenaire pour un de mes concours. Et elle a des super papiers. Donc je sais pas, je vais voir. Parce que bon, la fourmi créative, c'est bien, mais bon. C'est cher. En plus, fourmi créative, maintenant, on peut plus parrainer, on peut plus, on n'a plus d'avantages. Donc, voilà. Allez, hop. On ne peut pas rien casser. Bah, profitez-en pour me dire en commentaire où vous achetez principalement vos papiers de scrap. Bon, bien sûr, je sais que les trois quarts vont me dire Action. Fifi, s'il te plaît. Ils vont me dire Action. Bon, moi aussi, hein, j'achète Action. Hein. Mais bon, c'est vrai que pour les albums, les blocs Action, je sais pas si vous êtes comme moi, je trouve les papiers trop épais. Donc je sais pas. Parce que là, bon, je vous ai pas montré, je vais vous faire une vidéo peut-être. J'ai acheté trois blocs Action ben, dans les derniers. Donc j'ai eu que trois. Mais c'est vrai qu'ils sont assez épais. Donc, je ne sais pas. Parce que bon, moi, c'est vrai que déjà la couverture, bon, je fais un carton sur la couverture, je recouvre avec un papier, après je recouvre, je remets une feuille de scrap. Après, bon, à l'intérieur, il y a les feuilles, les embellissements, Donc, ah, j'ai du mal à enlever celui-là.
Alors, si vous entendez du bruit, des cris, comme d'hab, hein, c'est ma voisine du dessus, ça change pas. Et moi, en ce moment, j'ai un problème à la maison, enfin à l'appartement. C'est aussi une des raisons qui m'a empêché d'essayer de m'endormir. Mais bon, j'ai pas su dormir à cause de mes douleurs. C'est que on a, vous savez, on a des volets, bien sûr, hein, bon, comme beaucoup de personnes. Et donc, on a des coffrages pour le volet. Et dans ce coffrage, donc dans le salon et dans la chambre, on a des petites bébêtes qui sont arrivées dedans. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est des souris, des rats ou autre chose. Mais bon, donc là on a appelé les HLM hein, qui nous envoient un dératiseur. Parce que nous on n'y a pas accès, on ne saurait pas y aller. Puis même, je préfère pas, parce que moi, ces bêtes-là, quelle horreur. Déjà, rien qu'à les entendre, j'ai les poils qui se hérissent sur moi. Donc, j'espère qu'ils vont vite venir. Le soir, la journée, ça va, on les entend pas trop, parce que bon, il y a le bruit, il y a la télé, il y a les bruits de la circulation dehors, les bruits qui vit dans l'immeuble, donc on les entend pas trop. Mais le soir, alors ça fait ça. Je vous jure, c'est le même bruit, comme ça, dans le coffrage des volets. Alors, je vous jure, c'est une angoisse. Et en plus, on a hier, mon mari, enfin mon futur, m'a appelé, parce que lui, il se couche toujours avant moi, m'a appelé et il me dit, regarde, il y a quelque chose dans la chambre. Donc en dessous du coffre, donc par terre, et on a trouvé parce que bon, on a le truc pour ouvrir le volet, et donc la manivelle, si vous voulez, et donc il y a des petits trous, hein, automatiquement, on ne s'est pas bouché à 100%, et donc par terre, on a retrouvé des toutes petites crottes de souris, de rats, je ne sais pas, ben, enfin c'est des petites crottes, comme des crottes de souris. Donc c'est super, je suis vachement contente, ouais, alors d'entendre ça, et puis ça cavale vite, hein. Je sais pas par où ils sont rentrés, parce que moi c'est des murs, c'est du béton, hein. C'est des béton ou parpaing, ou bon, il y a des briques à l'extérieur, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer dans les coffrages des volets. Mais là, moi, ces bêtes-là, je ne supporte pas. Je ne peux pas les voir. Là, heureusement que je ne les vois pas, mais déjà, je les entends. Alors, c'est... Bon, et Fifi, il ne peut pas s'en occuper, parce que là, elle ne peut pas les voir. Mais elle les sent. C'est la semaine dernière, déjà. Je voyais Fifi qui se mettait sur mon fauteuil et sur le radiateur et qui regardait toujours au plafond. Et on se demandait pourquoi. On se disait, Fifi, t'as vu un fantôme Mais non, Fifi avait bien senti qu'il y avait quelque chose dans les coffrages. Voilà. Et nous, on l'a entendu après. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai tout découpé. Hein, j'ai fini de vous raconter ma vie. Et je ne fais pas des vlogs. Parce que bon. Bon, moi, des vlogs, je ne vous en fais pas. Alors, je vais vous descendre la caméra pour que vous voyez. Alors, ce que je fais. Donc, voilà. Donc, j'ai tout découpé. Tout est là. Et on va monter la petite bête. Alors, donc, ça vient là, comme ceci, hein. Voilà. Donc, la deuxième, ici, comme ceci.
Ensuite, donc je pense que ça, non, non, ça vient là, derrière. Le problème, c'est que c'est pas expliqué, c'est pas. Donc non, ça c'est là. Je vais mettre comme ça. Alors. Ça ne fait pas pareil que sur le dessin. Chaud. Il fait chaud chez moi. Bon, ensuite, on met celui-là. Il y a Fifi qui s'amuse avec les petits, qui mange les petits bouts de carton, la folle. Alors, voilà. Ben oui, mais ça me fait pas pareil que sur le dessin. Sur le dessin, c'est un rose en premier, mais là, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je crois que c'est ça. Fifi, arrête. C'est quand même bizarre. Bon, voilà déjà le début. Je sais pas, ça me fait bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Voilà. Ensuite, on lui met sa tête. J'espère que vous voyez bien. Voilà, pour l'instant. Alors, j'essaye de suivre ce qui est noté, hein. Enfin, le dessin que je vois. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. C'est... Là. Non, édite. Tu t'es trompé. J'ai oublié de lui mettre un morceau. Oh là là. Voilà. J'ai oublié de lui mettre les deuxièmes oreilles. Voilà, pour l'instant.
Voilà. Oh mon Dieu. Un pulse en 3D. Voilà. Alors, maintenant, on va lui faire son nez. Donc, j'ai un petit bout qui est décollé. J'espère que ça va pas se voir. Et son petit nez. Voilà. Alors, je vais vous bouger la caméra pour vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Bon, c'est rigolo. Voilà. Allez. Allez, maintenant, on va passer à la décoration. Ben, vous voyez, c'est des trucs qui vont vachement vite à faire. Hein, Alors, la décoration. Donc, non, mais un peu comme on veut, mais bon, si on veut suivre ce qu'ils disent. Alors, si on veut suivre ce qu'ils disent, il y a un nœud pape. Mais le nœud pape, il est nulle part. Donc, moi, je vais le mettre là. Non, le nœud papillon, ils l'ont mis nulle part. Donc, moi, je vais le mettre là, le nœud papillon. Donc j'espère que ma colle colle. Je vais regarder, mais je pense pas qu'il y a ça se décolle ça. Je pense pas que ce soit autocollant. Je vais quand même regarder. Non, c'est pas autocollant. C'est dommage. J'aurais dû. Je savais que ma colle n'allait pas coller. Et pourquoi elle ne remonte pas ma colle? Bon. Je reviens. Juste une seconde, je vais chercher un autre tube de colle. J'ai un problème avec celui-là. Me revoilà. Alors, bah, j'ai pris celle-là. Parce que bah, je sais pas, je retrouve pas mes autres tubes de colle. Donc, c'est pas grave. Voilà, celle-là, elle va. Jerry descend. Il est monté sur mes fauteuils. Il sait que maman ne veut pas. Descends. Voilà, donc ça va coller. Et puis maintenant, bah, on va coller le reste hein, un peu partout. Il y a des papillons, il y a voilà. Un petit papillon. J'espère que vous voyez bien. Voilà, bah, j'aurai enfin fait mon DIY depuis que je vais le faire. N'est-ce pas, Coco? Toi, je sais que tu as fait le tien depuis très longtemps. Mais bon, c'est vrai que pff, ces trucs-là, bon, j'ai pas.
je pense pas à le faire. Alors, il y avait le happy, le happy, le happy. Alors, il y a plein de trucs à coller. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à coller pour ce que c'est. Mais bon. Alors, les papillons, ça, c'est sûr que je vais les coller. Hein. Moi, les papillons. Je ne peux pas faire sans coller les papillons. Là, il y en a des petits, des grands. Ah, le happy, il est là. Alors, le happy, voilà, il va aller ici. Alors, j'espère que la colle, ça va suffire. Voilà, juste un petit peu de colle sur les bords. Pour mettre sur les bords là. Voilà. La colle au doigt. Vous voyez pas là. Voilà, comme ça. Ah, ça colle pas. Ça ne colle pas. Alors, on va lui mettre une grosse fleur. Bon, après tout ça, ça va bien coller, hein. Dites-moi aussi si vous, vous en faites des DIY de chez Action. Je lâche pas. Alors, j'ai encore un gros papillon ici. Ouais, sur leur modèle, ils n'ont pas mis tout. Alors, un petit papillon, non, un petit bouton. On a un temps tout bizarre aujourd'hui. Et ça crie là-haut, et ça crie. Il y a l'assistante maternelle. Hein. Oh là là. Je sais pas si vous l'entendez, je vais me taire.
excusez-moi, il y a Fifi qui m'a fait tomber. Oh. Désolée, Fifi a fait tomber mon plateau. Elle est montée trop vite sur la table. Voilà. Oui, je crois qu'il y a trop de décorations. Oui, je vous disais, donc j'ai une voisine qui est complètement starbée. Elle crie sur ses enfants à longueur de journée. Elle est assistante maternelle. Je comprends pas. Là, j'ai fait. On est en train de faire une demande pour déménager. Mon plus grand bonheur, ce sera de partir et de ne plus l'entendre. Parce que, comme bon, certaines d'entre vous le savent, bon, ben, je suis souffrante et j'ai un traitement très très lourd. Et de l'entendre comme ça, des fois à longueur de journée, moi, j'en peux plus. Je pète un câble rien qu'à l'entendre. Alors, pour la petite histoire, pour elle aussi, je vous raconte ma vie, hein, pour lui. Donc, elle est toujours en train de crier, même des fois à minuit, 1h du matin. Hein, il y a du monde chez elle, ça tape, ça rigole, ça, elle n'a aucun respect du voisinage. Donc, moi, je suis là, comme les petites vieilles, vous savez, avec mon balai. Je tape au plafond parce que moi j'ai besoin de dormir. Et nous cette semaine, donc on a repeint notre séjour ici pour le mariage. Parce que, bon, bah, il y en avait besoin. Mon chouchou a fait, on avait un tableau à mettre nos murs sur les côtés, si vous voulez, c'est du placo, mais le mur devant, c'est du béton. Donc il avait un trou à faire dans le béton. Et bien, vous savez qu'elle a tapé dans le sol, parce qu'on a fait un trou, même pas 10 secondes. Je vous jure, même pas 10 secondes, hein, le temps de faire un trou, quoi, 5 secondes. À la perceuse, elle a osé taper dans le sol parce qu'on faisait du bruit avec la perceuse. Mais nous, on a fait du bruit à 10h du matin. Nuance. Elle n'a pas intérêt que je la croise. Je vous jure, elle n'a pas intérêt que je la croise. Eh ouais. Que voulez-vous? C'est ça les gens maintenant. Voilà, allez, mon petit truc avance. J'ai plein de déco, je ne sais pas où les mettre, moi. Mes papillons aussi, ça, mes papillons, il faut que je les mette. Mon petit papillon. Alors, je vais mettre mon petit papillon.
là. Je suis pas si vieille que ça, hein, mais bon, j'ai 54 ans. Mais je sais pas, nous on nous a appris le respect, on nous. Je sais pas. On nous a appris à respecter les autres. Mais bon, il y en a, ils n'ont pas appris. Même mes enfants, je les ai appris à respecter les autres. Et ils le font. Mais bon, que voulez-vous? Quand on est mal éduqué et quand on a une mauvaise fréquentation, c'est comme ça. On n'y peut rien. Ah, mais commence à avoir de la gueule, mon truc. Regardez. Hein? Non. Surtout que je veux pas oublier les petits papillons. Ah non, je vais pas lui mettre là, lui. C'est rien. Je vais le mettre là. Voilà. Et je vais mettre mon petit copain de l'autre côté. Voilà. Plein de fleurs, il y a plein de trucs, il y a... Oh là là. Il y en a trop. Ça y est, hein, ce que je mets pas, je garderai pour faire d'autres choses. C'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Alors. Ouais, les autres choses, je pense que je vais les garder pour. Parce qu'après, ça va faire trop chargé. Peut-être celle-là encore. Ça, les papillons, oui, ça, je les mets, les papillons. Alors, toi, je vais te mettre. Ici. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, alors le reste, je garderai pour faire d'autres choses. Voilà, parce que là, ça fait beaucoup. En fin de compte, je n'ai pas utilisé les 3D, vous voyez. Mais moi, ça me suffit. Alors, je vais bien remettre la caméra. Hop, voilà, pour vous montrer donc ce que j'ai fait. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer en entier. Voilà. Petit papillon. Donc, le haut, avec le happy, les papillons, les fleurs. De côté. Voilà ce que ça fait. Voilà, je pense qu'il est assez chargé là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il a assez. Peut-être une petite fleur blanche ici, peut-être. Voilà. Une petite fleur verte là.
Et maintenant je rajoute parce que je veux pas en mettre trop et puis après je vois qu'on peut alors ah là là un petit bouton, bien. Il y a une petite dorée en ruban. Bon, là c'est bon, je rajoute plus. Donc voilà. Voilà, celle-là c'est bon. Je regarde de loin. Ouais, non, ça me suffit. Hop là. Donc il faudra que je voie pour y mettre des petits cro un petit crochet derrière. Je vais vous faire des photos, hein, pour que vous le voyez mieux en photo. Hop, je mets droit. Là, vous avez j'ai du mal à vous montrer en entier. Voilà. Alors, je vais essayer de vous filer voilà. Je pense que là, vous le voyez en entier, mais non. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce DIY, hein, que l'on a fait ensemble. Enfin, que j'ai fait en papotant avec vous. Hein, voilà. Bon, en fin de compte, je trouve tout mignon. Maintenant, savoir où je vais le mettre. Ce petit nid à poussière. Je vais voir si je vais pas lui donner un petit coup de bombe à vernis. J'ai acheté de la bombe vernis à Action. Pardon, je bouge la caméra. Faudrait que je vois si je vais pas lui donner un coup de bombe pour la poussière. Donc voilà, mais je vais lui faire des. Je vais vous faire. Oh, pardon, je suis travers, je n'avais pas vu. Je vais faire des petites photos pour que vous le voyez mieux. Hein. Et ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, ma petite vidéo du jour, un petit DIY avec vous. J'en ai d'autres à faire aussi, pas dans le même genre, hein, d'autres choses. Donc, ben, écoutez, on les fera ensemble également. Hein. Au moins, ça me permettra de les faire. Et je vous dis donc, bah, on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, nouveaux blabla, plein de choses. J'ai plein d'idées encore dans la tête en ce moment. Donc, on se retrouvera pour pas mal de choses. Pour l'album de mariage, l'album des témoins, l'album... des cartes des amis. Ensuite, je dois vous montrer comment je range les ATC qu'on m'envoie. Et puis encore plein de choses. Voilà. Allez, je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.